m'appelle Julie Kefelec. Avec mon compagnon Paul Glaise, on a créé une entreprise, la SAS Wayeruro. On est basé à Lalande Saint-Siméon, dans l'Orne. C'est également le lieu où nous fabriquons et nous confectionnons chaque année une nouvelle collection de bijoux. Depuis 10 ans, on travaille avec des artisans en Amérique du Sud, plus précisément en Équateur. Donc ces artisans ont un savoir-faire particulier, ils transforment des graines de palmier qu'on appelle communément la tagua ou aussi l'ivoire végétal. Au bout d'un an de séchage, en fait, cette graine est dure comme de la pierre, mais elle n'est pas friable, donc elle peut être teintée, polie, coupée en tranches. On en fait donc des perles et ensuite on fait des bijoux, des boucles d'oreilles, des colliers à partir de matières uniquement végétales. Ces bijoux, ensuite, on les commercialise dans le réseau Biocoop dans le Grand Ouest de la France. Nous faisons également des dépôts-ventes dans des offices du tourisme, des lieux touristiques, comme celui de la Roche d'Ouêtre à Saint-Philbert-sur-Orne. Jusqu'à présent, nous n'avions pas de boutique en ligne. Nous commercialisons uniquement en direct notre collection de bijoux. Avec la mise en place du deuxième confinement, nos expositions qui étaient prévues avant Noël avaient de grandes chances d'être annulées. Et nous avons eu l'opportunité, grâce au département de l'Orne, de mettre en place une boutique en ligne de notre collection sur la plateforme Ornachat. Ça a été une très grande opportunité pour nous de nous faire connaître à de nouveaux clients et de pouvoir présenter l'ensemble de notre collection sur un même lieu. Grâce à Ornachat, mes clients peuvent directement choisir leurs bijoux et commander en ligne et sont livrés directement à domicile.